Saint-Martin, Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Espoir du peuple. Bonjour, le 20 décembre, Naye Nangaba Awa, na centre au place na Sabolaki, il fait na voter Awa. Na centre révérend Zoula. Au monde d'Agne Bazébélé, au premier Awa, machine Zera Moko, est tombée en panne. La machine est calée et sollicitée. Tous ces gens attendent ici. La machine est en panne, elle ne fonctionne plus. Dans ma zone Zela, superviseur Aya n'a pas trouvé solution. Mais je vous dis, il y a au moins plus de 5000 personnes. On va s'enrôler qui a Wananga dans le centre Oyo, mais va voter les lots et ça. Donc, il y a un problème. Papa, bonjour d'abord, papa Langaï. Dis-toi que tu as posé à voter la candidate à la ministre. Mais ma chine, elle a bloqué. Ok, mais soyez en allée, ma couna. Bloqué. Elle est en tama. N'aie évité. Papa, n'aie évité. Avant de comprendre ma couna. N'aie besoin de voter, tiens. Elle est en train de se faire. Pour ça, elle est libre. Pour présent, C'est vrai. RAM, ça avait été une maladresse, mais parce que mes instructions n'avaient pas été suivies. Voilà, nous sommes sur le centre de vote de l'ISP Bounia. Là où les déplacés ont détruit tout. Les machines à voter, les bulletins de vote, tout. On a failli même tuer les engins de Seigneur là. C'est pas facile ici. Donc c'est catastrophique quoi. Rien ne se passe ici. Aucun mouvement. Ici tout est détruit. Tout, j'ai dit bien tout. Même les salles. Même partout. Détruit. Il n'y a pas moyen ici. Les bulletins de vote. Voilà, même les machines à voter. Détruite, tout. Voilà ce qu'on parle d'une machine. Partout, voyez. Rien ne se passe ici. Tout est bizarre. Ça ne va pas? Ça ne va pas? Les déplacés de guerre, le territoire de Njougou. Tout détruit, tout. Parce qu'on les a empêchés de s'enrôler chez eux. C'est terrible, hein? C'est terrible vraiment. Le pays va mal. Tout est détruit. Même les pupitres. Même quoi. Tout. C'est tout. Là. C'est là leur site. C'est là leur site. One.
C'est Cordon de Dieu, très artiste. Ah, on a beau salir, ça n'est pas mal. Maintenant, on va voter. T'es le côté, t'as la bateau. Nous sommes au beau monde. La tenue nous a mis en confusion. Les matins, nous avons mobilisé par les gens d'Orgène. Et maintenant, c'est lui qui vient de dire qu'il n'y a plus les élections. Nous avons trouvé des voleurs, c'est ici. Il n'y a pas des élections. C'est fini. Oh! Il y a des niveaux de vote surpris avec la Je suis là. Direct na site ya ISP le wanatoka sambaza nini maneno ya vote sasa hivi hapa maana yake vote haitakuwa tena sasa baje place bara ingia kwa sale yote wanavunja babitu ba machine yote wanavunja hapa vraiment maneno kwa matata sana huku ku ISP huku kama mtu mwenye ana nguvu vraiment tusaidie sana juu machine yote inaenda deja wanavunja kila kitu ba irne yote wanavunja inaenda kabisa baje place wanatoka fika hapa sasa hivi kila kitu vraiment wanamaliza hapa deja. Batu vile banasambaligana ovyo sana, batu banakimbia kimbia na kubiro de vote yote banasambaza banavunja ba vitre huku vraiment maneno kwa matata hapa kusita ISP huku. Chers compatriotes, nous venons de suivre Monsieur Félix Tshisekedi. Tshisekedi nous dit que le RAM c'était une instruction mal comprise. Avons-nous vu ou entendu quelqu'un qui a été arrêté à cause du RAM? Avons-nous vu ou entendu quelqu'un révoqué à cause du RAM? Il dit l'argent des RAM a construit les universités. C'est comme quelqu'un qui vient chez vous, il vous vole 10 000 dollars et puis il va construire une orphelinat. Et il vous dit j'ai volé votre argent pour construire une orphelinat. C'est une façon de se moquer du peuple congolais. Félix Tshisekedi doit endosser dans le Congo qui arrive, il doit répondre de cette escroquerie d'État. Les RAM c'était de l'escroquerie. Félix Tshisekedi et sa banque
et les gens qui étaient au gouvernement disent que ça n'a jamais passé au gouvernement. Donc c'était une escroquerie au sommet. Et nous, les Congolais, nous ne devons pas oublier. Notre argent de RAM doit nous être restitué. C'est notre droit. Deuxième chose, et ça, ça fait rire même les chefs. Il dit, il va déclarer la guerre au Rwanda. Mais M. Félix Tshisekedi, il dit, s'il y a une escarmouche, il va déclarer la guerre au Rwanda. Mais M. Félix Tshisekedi, il dit, soyons sérieux. Nous sommes quand même des humains. Et nous autres, contrairement peut-être à la majorité des gens de ton système, avons étudié. Avant d'attaquer le Rwanda, M. Félix Tshisekedi, vous attendez une escarmouche? Le Rwanda est au Congo depuis plus de 3 ans. Le M23 est là, les cadres déplacés sont là. Vous attendez encore quoi? Si vous avez la force, débarrassez-nous d'abord de ces gens-là à Bunagana, à Kiwanja, à Kichanga, à Mweso, même ici, à Chacha. Ici, tout près de Goma, à Chacha. Ils sont là. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes fort, commencez par les balayer d'abord de notre territoire. Rendez-nous notre Congo que Kabila vous a donné, qui a 2 435 000 km². Et aujourd'hui, le Congo est empité. Et on continue à nous promettre des choses. Avant d'attaquer les Rwandais, M. Félix Tshisekedi, combien gagne un militaire congolais? Les députés sont à 20 000 dollars, que vous avez justifié malheureusement. Et les militaires congolais ont à peine 100 dollars. Comment voulez-vous gagner la guerre si vous ne savez pas comment vos militaires mangent? Combien sont-ils? Quelles armes ils ont? Nous sommes quand même des Congolais, nous méritons un respect. Et pour couronner, il y a un autre chantre de la violence, un homme violent, M. Bemba. Je crois que les séquelles de la CPI sont en train de tourmenter la tête de M. Bemba. Et quand vous le voyez physiquement, il y a quand même un problème. Bemba doit apprendre à respecter les Congolais. La violence ne résout pas tout. Comment pouvez-vous dire aux gens sérieux, normaux, que l'opposition veut tricher les élections? La CENI, elle vous appartient. Elle est de la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle, elle vous appartient. Elle est de la tribu de Félix Tshisekedi. Si nous allons ces élections, c'est parce que nous croyons au peuple congolais. Et la manière dont nous croyons au peuple congolais, c'est la manière pour laquelle nous savons que rien et personne ne volera nos élections. Et nous allons gagner. Katumbi va gagner. Katumbi va gagner, ça c'est irréversible comme la mort. Et maintenant, ceux qui vont tenter de faire le forcing, le Congo de Viola est passé, monsieur Bemba. Le Congo de Viola est passé. Allons voter sereinement et veillons sur nos votes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. On a enregistré quoi, bana tout machine de balle. On a On a enregistré quoi, le bulletin trouvé, le bulletin, la machine à voter, trouvé chez Prosper. Vous avez trouvé ça où? Et vous avez fait quoi de lui? Exemple, la machine, elle va nous faire bouger ça, c'est bien la machine, elle va nous faire bouger vraiment, à part maintenant, on va t'attendre ça. Qui est la quitte vraiment, il me croit déjà à des ordres. On va nous bouger, qui est la quitte, il me croit. Le bulletin trouvé, le bulletin, la machine à voter, trouvé chez Prosper. Vous avez trouvé ça où? Et vous avez fait quoi de lui? Voilà, nous sommes sur le centre de vote de l'ISP Bounia, là où les déplacés ont détruit tout, les machines à voter, le bulletin de vote, tout. On a failli même tuer les engins de Seigneur là. C'est pas facile ici. Donc c'est catastrophique quoi. Rien ne se passe ici. Aucun mouvement.
Ici, tout est détruit. Tout, tout, j'ai dit bien tout. Même les salles. Même partout. Partout. Détruit. Il n'y a pas moyen ici. Les bulletins de vote. Voilà. Même les machines à voter. Détruites. Tout. Voilà ce qu'on parle d'une machine. Partout, voyez. Rien ne se passe ici. Tout est bizarre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. À l'école de l'ISP. Les déplacés de guerre de la, de territoire d'Enjougou. Tout détruit. Tout, 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 tout. Parce qu'on les rapprochait de sa relâchesse. C'est terrible, hein. C'est terrible devant moi. Le pays va mal. Tout, 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 tout est détruit. Même les pupitres. Même quoi, 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 quoi. Tout. C'est tout. Là. C'est là leur site. C'est là leur site. Tu vois pas direct dans le site à ISP, le barato à Samba Sanini, maintenant on a voté ça, c'est bien pour manager voté Haïta Gouatena, ça va déplacer par l'ingé, pour la salle, et autres, on a bougé, bougé, babitou, la machine, et autres, on a bougé, bougé, pas vraiment. Maintenant on va tata ça, on a eu pour ISP, ou pour quand même, on a eu pour vraiment tout ça, et dire ça, on a eu, machine, et autres, on a déjà, on a bougé, qu'il a quitté. Bah, il n'y a pas de bougé, bougé, il n'y a pas de ça, va déplacer par la toga, qui a passé ça, et qu'il a quitté vraiment, on a mal, ça, pas déjà. Batu vile bana sambaliga na ovyo ovyo sana, batu bana kimbia kimbia, na kubiro de vote yote, bana sambaza sambaza, bana vunja ba vitre huku vrema, maneno kwa matata hapa kumusita ISP huku. Ona, aregistre kwa bana tu mashinele pale wa. Ma, angia kana mwesina bana, aregistre kwa. Onesha utu, onesha. Mon exemple est la machine, elle va nous faire ça, c'est bien la machine, elle va nous faire vraiment à pas mal de matatas. Qui l'a quitté vraiment, il me voit déjà à désordre. Chers compatriotes, je vous parle à partir de Cabinda, la capitale de la province de la Lomami. Un peuple exigeant vis-à-vis de ses dirigeants se doit de connaître, d'intérioriser et d'adhérer à la vision du candidat qu'il choisira pour la fonction présidentielle. Je suis candidat, ni pour moi, ni pour ma famille. Je suis candidat pour servir mon peuple en lui donnant une vision, une vraie perspective de construction d'un État qui garantit la paix, la stabilité, le développement et la prospérité. La crise de légitimité, les agressions répétées contre notre pays, l'échec évident de l'État de siège en Ituri et au Nord Kivu, la déstabilisation des provinces de Haut-Uele, Bazuele, Tanganyika, Maïndombe, Kwilu et Kwango, ainsi que le banditisme urbain, le tribalisme institutionnalisé par le régime actuel et le détournement des deniers publics affaiblissent l'État, annihilent son autorité et exposent notre pays à des pressions et manipulations diverses. Ces contextes exigent des institutions fortes avec un président ayant un leadership fort et exemplaire. Un président qui rassure, qui protège la population et qui défend la République contre les tentatives de sa désintégration. Je suis prêt. Je vais restaurer la paix dans le pays et l'intégrité de notre territoire. Et je vais garantir l'état de droit, ainsi que le respect des droits humains. Je vais travailler pour la cohésion nationale. Les richesses du Congo doivent profiter équitablement à tous ses enfants. Fort de la légitimité que vous allez me donner, je vais inverser la tendance et me battre pour faire profiter aux Congolais les richesses de notre pays. Dans cet esprit, je travaillerai en toute responsabilité avec nos partenaires, tant publics que privés, et je combattrai
toute personne physique et morale qui exploiterait nos richesses en violation de nos lois et au mépris de notre dignité. Nous appliquerons la règle tolérance zéro à l'égard de la corruption. Je serai un président juste et fort que vous attendez. Grâce à vous et par votre vote majoritaire, ce mercredi 20 décembre, nous transformerons en profondeur notre pays et jetterons les bases d'un avenir radieux pour nos enfants et les générations futures. Ainsi, nous bâtirons un Congo libre, fort, digne et prospère. J'ai confiance en vous et vous pouvez compter sur moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congos. Merci. C'est Cordo Tidje, 13h, Tissiko, Awanabosali, Sanamaluka, Batunan va voter, T, le côté, Talabatu. Nous sommes au bon monde. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Biso, Tolanda Seye, to vote Seye, Martin Fayoulou, Martin Fayoulou, président.